Eh bien salut, c'est Agi, on se retrouve pour l'épisode 7 des Royaumes Perdus 2. Et on n'a pas le choix d'aller à l'ANG parce qu'apparemment les autres niveaux sont bloqués, même les zones manquent. À l'ANG, tour du roi. La pioche, pas besoin d'y toucher. De toute façon, je crois qu'on a, on a pas notre pierre unique, donc... Ah, je sais plus. Bref, on va y aller. C'est pas une cinématique. Les Kendari passent à l'attaque. Et nous sommes enfermés. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Très bien, Sol. Bon, on va se casser, hein. On part par ici. On se fait attaquer par les Kendari. Porte là qui s'ouvre. Génial. C'est quoi cette petite boule? Ah d'accord, regarde, il y a une petite boule là. Là, il n'y est plus, donc va falloir la remettre. Et ça ouvre le grillage. Très bien. On va voir par là. Non, cette porte ne va pas être ouverte. De l'autre côté, alors. Eh, tu me suis, Sol. Hein. Parce que l'autre fois, j'ai pris cher à cause de toi. Oh, votre majesté, et attendez un peu, vous n'êtes pas la reine. Je suis sa sœur. Ça t'emmerde? On bat les couilles. Escarboucle. Deuxième carte ici. Un lutin. Eh, on est déjà niveau 20, 200 PV. Niveau maximum, c'est niveau 30. Ça, on est pas très très loin. Encore une fée rouge. Connaissez-vous Franck Dallanger? Non. D'après lui, on peut effectuer une carte combo, une attaque combo avec deux corbeaux noirs et ainsi manière. Oh, un autre combo. Mais bon. Ça n'intéressera pas à celle-là. C'est une bibliothèque à lire, ça ne joue pas les steaks. Je vais monter directement, je pense que c'est fermé en bas. Ok, on a deux portes. Celle-ci est fermée. Et celle-ci est ouverte. Recinématique, encore. C'est bientôt l'heure, votre majesté. Faut-il vraiment qu'elle parte ? Malheureusement, un royaume ne peut avoir qu'une seule reine. L'existence d'une jumelle provoquerait une guerre civile, Majesté. Oui, vous avez raison. Laissez-moi avec elle un instant. Adriano. Écoute bien ce que je te dis. Cette pierre te protégera. Tu ne dois la montrer à personne. Garde-la bien précieusement. Tu crois que tu y arriveras? Mère, pourquoi pleurez-vous? Je pars juste quelque temps et je vous rapporterai un présent. Ne pleurez pas, mère, je vous en prie. Et puis, on nous a emmenés à Kadishu. Là, ils t'ont laissé. Ils t'ont abandonné, seul. J'ai toujours regretté de n'avoir rien pu faire, de ne pas les avoir arrêtés. Je suis désolé. C'est le monstre qui garde les pierres runiques. Ah.
ma pierre unique! Oh les bâtards, ils m'ont abandonné parce que j'avais la sœur jumelle. Ça aurait créé un conflit. Guerre civile. Ça rappelle No Game No Life. Où il y avait les deux rois. Pas la reine et le roi. Là c'est pareil, c'est interdit d'avoir deux reines. Et c'est un No Game No Life, ça fait je m'en bats les couilles. On sera tous les deux quand même. Oui, je te suis. Et toi qui es gentil avec moi. Ok, du coup il y a encore le dieu là, ceux qui protègent les pierres uniques qui viennent nous faire chier. Tout le monde s'est enfui quelque part. Génial, ça m'aide beaucoup. Un tigre mage. Très bien. On se casse. Je peux pas bouger pendant que je suis là. Ici. Il va falloir refaire la même chose que tout à l'heure, je présume. Ouais. Il y a une deuxième boule là que je suis là. Hop. Allez, ici. D'accord. J'ai voulu passer en vitesse, mais j'ai pas eu le temps. Alors, seul peut mourir. Hein. Comme la dernière fois où je l'ai sauvé. Hein. Exactement pareil. Moi, Gigantesque est arrivé, j'ai peur. Bon, je savais où était la physique là. Un peu easy. En fait, bouge! Et dégage! Sérieux? On se casse. Pas que Sol il meurt. Ce passage là il sert à rien pour le moment. Par ici. Ouais, un ascenseur, ça va le TP. Allez, allez, attends, y'a nous. Tara. C'est du Tara quoi. Ouais, donc Yannou c'est la princesse, c'est l'autre princesse. Wow, c'est plus rien. Ok. On va passer maintenant ici. Si on est Adrianou derrière moi, c'est Tara. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sacrifies ta vie pour moi? Oh putain, il y a de la machine. Oh putain. On leur fout des coups de one shot? Non. Boum! Boum! Allez, one shot! Ah, ils veulent pas, hein. Voilà, parfait. Aussi. Non. Bon, on va invoquer des monstres en attendant. Hop. Allez, viens là, machine. Allez, il me refaut un truc comme ça. Pourquoi? C'est bon. Ouh. Je sais pas c'est combien de pourcents de chance de perdre. J'ai le droit à deux cartes. Allez, on va prendre celle-là. Et celle-là. Chariobo. Oh, la carte rare pour ici. Parfait. Une carte transformation en plus. Electric Blaster. Qui est une carte invocation. Allongé. Faut que j'y retourne. On y va, on va voir. Ah, peut-être aller là où Sol nous a laissé. Je vais aller voir.
sais pas. Salut toi. Pardonnez-moi, vous êtes bien Dame Adrianou? Oui, la reine vous cherche. Elle vous transmet ses respects et espère que vous l'enverrez à l'église de Grenfell. Mes devoirs m'empêchent de vous escorter jusqu'à l'église. La route la plus directe pour se rendre à l'église est celle qui passe par les monts Crashing. Ok. La Chine est construite instantanément. Ok. Faut rien faire ça. Lève-toi. Lève-toi. Ah mais je crois qu'on peut rien faire à ce truc là pour le moment. Si? Ouais voilà, ça se re-soigne, on peut rien faire. Du coup tout est fermé ici, on va faire annuler. On va faire white. Ah voilà, on a débloqué une nouvelle zone. Le mont Crashin. Alors pioche. On va la modifier. Les flageants vont pas trop me servir ici. Je regarde quand même un au cas où. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Est-ce qu'on a une petite carte qui serait bien? Toi, pourquoi pas? Un petit corbeau noir, au cas où. Le squelette que je vais reprendre. Toi. Pas besoin de transformation pour le moment. De toute façon, je peux m'en passer. Allez, un dernier. Bon, allez, hop. Prendre les pioches. Ok, on est parti pour le mont Crashin. 31% de plantes, 27% de neutre. What the fuck, drôle de carte. Ah, ça, dans ma partie principale, quand j'ai joué il y a longtemps, je l'ai pas eu cette carte. Hein. Tiens, il y a un truc là-haut. Alors, on va pas perdre trop de temps, je sais ce que j'ai à faire ici. Du coup, on va s'avancer un petit peu. Salut toi. Oui, c'est un raccourci vers l'église de Grenfell. Dommage que le pont soit coupé, je ne pense pas qu'un humain puisse passer l'autre côté. Comment ça? Tiens, toi, tu vas me protéger. Toi aussi. Oh putain, d'accord. Eh bien, toi aussi. Et toi aussi. Voilà les coups. Salut voyageuse. Pour traverser, tu dois d'abord rompre le sceau qui me tient attaché. Tu trouveras ensuite trois statues d'oiseaux cachées dans les barrages. Détruis ces statues. Et la route s'ouvrira à toi. Puisse cela t'aider dans ta quête. Vous avez trouvé une carte homme oiseau. Très bien, monsieur le rocher. Attends. Donc il m'a donné une carte oiseau, c'est une carte transformation, je vais devoir aller la chercher. Putain, c'est un petit mob. Cassez-vous, bordel. Hop. Ah, niveau suivant, ça fait plaisir. Casse-toi. Boum. Quoi? Tu vas fermer ta gueule, vas-y, Mandragore. Voilà. Quoi, toujours pas mort? Attends, il est où mon autre monstre là? D'accord, il s'est barré là-haut. Bon. Ah, les sphères. Faut détruire les petites sphères. Pioche. L'homme oiseau. Toi, tu vas dégager. Toi, on va t'invoquer. Toi aussi. Vous allez juste me protéger. Et donc, on va essayer de récupérer l'homme oiseau, là. Voilà. Hop. Transformation. On va détruire toutes ces petites sphères. Il y en a trois au total. Ou c'est lance. Hop, on va annuler. Wouah, la carte elle brûle vite! Oh putain, faut aller vite quand même. Et une autre carte homme oiseau, ok. Transformation! Putain, elle se gaspille très très vite la carte.
Alors je vais aller par là, c'est pas pour rien. Ça radius ça. Bouge pas. Bouge, 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 bouge. Voilà. Hop, on annule. On va détruire cette petite sphère. Tiens, je sors. Voilà. Alors directement, ce qu'on va faire, c'est annuler. On va pas se faire chier. Les sphères que j'ai détruites, elles vont compter, hein, c'est pas grave. On va retourner au Mont Krashen. Non, pas démarrer, pioche, merci. Hop là. On va prendre mes petits oiseaux qui se situent où. On va aller chercher là. Dans les nouvelles cartes d'ailleurs. Hop, les transformations. Aussi. On va opposer deux. Toi et toi. Voilà. On y retourne. Tranquille. Et il va falloir détruire la dernière sphère. Hop là! Qui se trouve là-haut. Ce qu'on avait vu au tout début. Je crois que je peux rester en oiseau, je vais me faire chier. Juste ça. Les gens qui ont fui à l'ONG ont pris la grande route. Deux soldats ont pris cette route, mais ils ont repoussé le chemin en voyant le pont couper. On détruit ça. On va prendre ça. Un oiseau, encore une fois. Est-ce que j'aurai le temps? Ce qu'on peut refaire aussi, c'est annuler la mission et refaire. Mais non, je pense que j'aurai le temps. Ouais, c'est bon. Juste, mais c'est bon. Ok. Allez, les oiseaux, vous dégagez. Oh putain. Oh putain. Alors, je vais tuer pas mal de monstres, puisque à la fin de la mission, il y a une carte rare à avoir. Je vais essayer de l'avoir. Si on l'a pas, tant pis. Lève-toi, attaque rapide. Ouah. Ça fait mal ce mec. Tu prends cher. Un petit chien. Ça. Ah salope. Putain, enfoiré. Merci. Elle a pris un peu cher là par contre. Toi, tu meurs. Voilà. Aucun respect pour toi. Y a pas d'autres monstres qui apparaissent là? D'ailleurs, il y avait des monstres qui apparaissaient ici. Oh, pardon, ça peut pas. Ah bah si. Boum. Merde. Mais bon. Tiens, vous allez crever. Oh 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 oh. Magnifique. Boum. Des squelettes. Hop. Tuez-moi ce connard. Je vais pas invoquer d'autres monstres, on va regarder. Allez, tu le. Et mon squelette, parfait. On va les faire revenir. Hop. Le dragon. Enfin libéré de ses chaînes. Je vais enlever. Servons la cause sacrée de la destruction. Mais avant de me venger de ces maudits oiseaux qui m'ont fait prisonnier, je dois te frapper de destruction totale. T'es sérieux? Je t'aide et tu veux
défoncer la gueule. Enfoiré. La carte avant. Il y a pas mal de cartes à aller chercher ici, donc on pourrait servir des hommes oiseaux, mais je ferai plus tard. Allez, il y a pas mal de monstres. Ah, gloire verte. Boum. Je respecte rien. Prends ça en gueule. Mets ta boule de neige, tiens. Hop, lance de rocher. Je t'enchaîne. Je m'en bats les couilles. What the? Ok, c'est fini. Trois cartes. Alors, j'espère qu'on va l'avoir. Allez, on va prendre ces trois-là. Ah non, on l'a pas eu. Harpie, gargouille, gargouille. Bon, le dragon, en fait, c'est... Il a une particularité, c'est qu'on... On peut l'invoquer, c'est un monstre indépendant. Et l'église de Grenfell, bon, on va y aller vite fait. Sauf que quand on l'invoque, en fait, il tape extrêmement fort, il a pas mal de PV, mais quand il se fait toucher, on perd des PV à sa place. Tant pis, je l'ai pas eu, c'est dommage. C'est la carte rare à avoir. Il y avait une chance sur 5-6 cartes à avoir. Dommage. De toute façon, il coûte trop cher, donc je ne vais pas l'invoquer. Pardonnez-moi, êtes-vous Dame Adrianou? La reine m'a demandé de vous remettre ceci. Tant que cela sera en votre possession, vous pourrez ouvrir les portes portant le sous-royal d'Alenji. C'est acquis le joyau d'Alenji, ok. Donc logiquement, on aurait dû arrêter l'épisode maintenant, mais on va faire un petit peu plus long. Hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me demandent un épisode un peu plus long pour Royaume Perdu 2. Allez, celui-là, on va faire un tout petit peu plus long, pas grand-chose. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est d'activer un petit secret. En activant les statues, elles vont me montrer un passage. De voir, elles visent quelque chose, hein. Toutes. Voilà. En fait, l'endroit qu'elle vise, c'est juste ici. Oh, un endroit caché. Avec deux fées rouges et trois coffres. J'ai une histoire sur une caverne vraiment très très profonde. Et vous savez quoi? Cette caverne est pleine de monstres étranges et divers. Des monstres qu'on ne voit pas par ailleurs. Si vous avez une carte de tigre mage et une de panthère mage, vous pouvez accomplir un tour super. Ok, encore un coup. Donc franchement, si ce jeu te plaît, n'hésite surtout pas à l'acheter. Il y a pas mal de quêtes secondaires, comme j'ai dit, moi je ferai pas tout. C'est juste pour présenter le jeu, comme le jeu n'est vraiment pas connu. Je sais que ça va plaire à certains. Et je pense que le jeu, on peut le trouver pas cher sur internet. Déjà ça remonte à des années, j'ai acheté déjà pas cher. Donc allez, on va aller par là-haut. Pas mal de choses à faire quand même. Quand tu vas récupérer tous les coffres, toutes les fées rouges, c'est long. D'ailleurs, ouais, les cassettes que j'ai fait. D'ailleurs, les fées rouges, je les ai jamais toutes faites. Ok. Une carte pilier de gravité. Oh, un orgue. Il y a encore un truc là-haut. Attends, je vais passer par ici avant la reine. Ici se trouve un magasin de cartes. Donc voilà, il n'y aura pas besoin de changer de zone si on veut aller au magasin. Je vais voir ce qu'il vend comme carte d'ailleurs, tiens. Ça pourrait être pas mal. Salut le prêtre! Oh, une carte transformation, ça perd. Lycanthrope. Ça, je vais en prendre deux, tiens. Ça, je vais en prendre un. Oh, il vend des petits dragons, tranquille. Et le reste, je prends pas. Quittez. Alors je vois aussi que cette série elle est pas super suivie, mais bon, je m'y attendais en même temps. C'est juste pour mon plaisir, j'ai envie de le faire. Histoire de me remémorer un peu ce jeu. Puis de vous montrer, hein, comme j'ai dit. Te montrer le gameplay, l'histoire, qui est pas mal. Il y a même alors un ninja. C'est un bon petit RPG qui a pas été très connu. Bon, le premier plus. Peut-être apparemment le deuxième il a déçu les fans. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec cette licence. Allez, on va là-haut. Cinématique, en plus il y avait une fée rouge au fond. Adrianou, mais qu'est-ce que tu fais là?
Comment ça, tu veux ta pierre runique? Mère n'aurait jamais dû te la confier de toute façon. Tu viens te moquer de moi parce que j'ai dû capituler devant les Kendari? Oh, je... Pardonne-moi, quand mère est morte, j'ai dû monter sur le trône. Je n'étais qu'une petite fille. Mais sans pierre runique, j'étais une reine sans pouvoir. Je craignais que le peuple ne découvre l'absence de la pierre. Je te haïssais, je te détestais parce que mère t'avait donné la pierre runique. Jamais je n'ai imaginé ce que tu endurais. Je n'ai pensé qu'à moi. J'ai été égoïste. Que dois-je faire? Je t'en prie, aide-nous. Tu es notre seul espoir. Bah, ceux qui sont tout seuls, ceux qui se débrouillent, c'est des personnes beaucoup plus fortes. Pas comme toi. Hop là, n'est-ce pas incroyable? Il y a plus de livres ici que partout ailleurs dans le monde. Bon, on va bouger d'ici, annuler. Un bon épisode. Et du coup, il va falloir retourner sur les plaines de Rowan. Et on verra ce qui se passe. Bon, j'espère que tu as apprécié cet épisode et puis j'ai rendez-vous pour l'épisode 8 des Royaumes Perdus 2. Sur ce, porte-toi bien. Et à la prochaine, salut.